au club. Alors, les trois nommés. Le club de Gaulle de Grenoble. Félicitations à vous. Scolaires et jeunes débutants, ça me rappelle quelque chose. Stage Go et Ski, tournoi de Go de Grenoble, stage Pogomon de l'école de Go, championnat de France de jeunes, festival échec Go, première phase du championnat du challenge Rhône-Alpes et tournoi de partie rapide pour le Noël du club. Eh bien, bravo à vous, félicitations pour toutes ces délégations. Deuxième nommé, le Grenoble Grizzly. Ils ont initié 1232 personnes au baseball et au softball, dont 300 femmes, et organisé 100 demi-journées d'animation sur Grenoble et le territoire métropolitain, 4 tournois indoor, 3 mini-camps orientés sport américain et 2 fêtes du club quand même. Troisième nommé, Lorient Alpes. En 2022, intense sur tous les plans, 80 podiums régionaux, 30 nationaux dans les 3 spécialités, le ski, le VTT et le pédestre, une première place en Coupe de la Ligue, une 11e en Coupe de France des clubs et une implication grandissante des adhérents dans les animations et courses organisées par le club. Les dirigeants sont fortement investis pour mettre à jour les documents de pilotage et lancer une réflexion sur le projet sportif du club. Et la barre des 200 licenciés a été franchie. Félicitations à vous. Pierre, le lauréat. Et bien, lauréat sur ces dynamiques de club, qui sont toujours des moments importants, parce que si on est dans le mouvement associatif, je pense que c'est pour toute cette convivialité, parce que ce qui se passe autour, c'est oriental. Et le trophée sera repris par Vincent Vernis, Flo Vincent Adelia. Qui était le président du Grenoble Tennis, et présentement le vice-président de l'OMC. Et bien, c'est vrai. Président, merci beaucoup. Ce qui n'a pas été dit encore sur Orientale, c'est que les futurs sont licenciés du Grand Prix et du Grand Club de France en présentation. Donc, ça, c'est une donnée tout récente. Cette année a été une énorme année en fait. Tu as tous les scores de prise de licence et de nouvelles personnes. Moi je remercie tous les animateurs du club, tous les bénévoles du club. Sans eux, on n'aurait jamais réussi à passer ce cap et à permettre à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints de participer dans les meilleures conditions. Alors nous, on n'a pas besoin de ça. Hier soir, on était juste de l'autre côté sur l'escalier avec l'utilisation du parc Wisman, un super terrain de jeu. Par contre, les gars sont un peu vieillissants, donc il faudra les remettre à jour. On a des super projets par rapport à ça, on va en parler déjà. On a déjà parlé avec les membres de l'OM. Voilà, quoi dire. Pour ceux qui n'auront pas de salle l'an prochain, n'hésitez pas à venir essayer la présentation. On vous accueillera avec plaisir, on vous fera découvrir. Ça vous donnera des envies, vous verrez un petit peu de team building, on va dire, entre personnes et vous. On va essayer. N'hésitez pas en tout cas. Merci beaucoup.